Thibaut InShape, il a mis une story ce week-end. Là, on est en route pour Decathlon. On fait un baby foot littéralement avec Thibaut InShape. Là, je me fais un truc. Comme on doit les amuser en 72 heures, on devrait réussir à surprendre Thibaut InShape. On va remettre le colis qui est juste derrière en main propre. On va tomber sur lui, sur Juju, sur une personne qui travaille de son équipe. Donc, il faut savoir qu'il y a deux bonnes réponses. Buenas a todos et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément. Enchanté. Et également Machour qui est derrière la caméra. Thibaut InShape, il a mis une story ce week-end où il nous a dit « Ouais, envoyez des colis, soyez originaux. » Et vous me connaissez, vous avez vu le colis pour Inoxtag. Qui ça? Inoxtag, c'est Lucas Brasier. Le colis pour McFly et Carlito. Fit avec Lucas Brasier. 15 raisons valables. On a toujours réussi à trouver un peu des idées originales. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y les gars, est-ce que vous êtes chauds? Faut qu'on trouve une idée de colis. Et ce matin, on a trouvé une idée. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'avais déjà tourné avec Thibaut InShape. On avait fait des pronos avec Sadio Giovanna. Qui va réussir à trouver le prono de la Coupe des Nations, c'était? Coupe des Nations, je crois, France-Espagne. Ouais, c'était France-Espagne. Sadio Giovanna avait réussi à trouver le bon prono. Alors moi je pense que la France ils vont gagner 2-1. Thibaut InShape et moi on s'était trompé. 3-2, allez on est fou. Un petit 1-0. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, un cadeau qui peut être original, drôle et en lien, on va fabriquer une coupe. Donc il va y avoir une coupe première place et une coupe deuxième place pour Thibaut InShape et une pour Lucas Brasier. Et on va essayer de proposer tout simplement, comme activité de la vie courante qu'on pourrait faire avec une personnalité publique qui est Thibaut InShape, de faire tout simplement un baby-foot. Voilà, on s'est dit un baby-foot pour se départager, ça reste dans le domaine du foot. Ça reste une activité assez cool. Là, on est en route pour Decathlon. Le but, ça va être de pouvoir voir si c'est possible de faire la coupe, la faire graver, d'acheter des balles, d'acheter des petits joueurs pour pouvoir les rajouter, mettre nos photos dessus. Donc voilà, ça risque d'être super cool. On est parti, on vous emmène. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui se demandent pourquoi on fait ce concept, tout simplement, depuis pas mal de temps, je me suis dit que c'était cool de rencontrer tout simplement des personnalités publiques, de pouvoir un petit peu partager des moments avec eux, avec elles, et de se dire, est-ce qu'on serait capable de réussir à mettre en place une collaboration, par exemple, comme ici, on fait un baby-foot littéralement avec Thibaut InShape. Un match, on voit qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, et de passer comme ça un petit moment simple de vie d'humain à humain. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce concept, et que du coup, on se dirige tranquillement vers le Decathlon. C'est un game inconnu, c'est la première fois que j'achète une coupe, je crois. T'en as déjà acheté toi des coupes? Non, c'est vrai que là, c'est pas du tout. C'est celle-là que je ramène à la maison dans 2-3 semaines. Il est sûrement moyen. Je sais pas du tout son niveau au baby-foot, hein, ça se trouve. Ah, au vu des bras, s'il en a un peu fait. Ah, mais là, je vais me faire. T'envoies un truc. T'imagines, tu prends un 10-0. Enfin, 2-10-0 si on fait un BO3. Ça va être méchant, moi. J'espère que t'as passé sous le baby. Du contenu, hein. On a vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, on a eu les deux coupes, elles sont stylées. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on commande des balles en Liège parce qu'on n'a pas réussi à les trouver à Decathlon. On a déjà commandé les joueurs qu'on va pouvoir mettre avec nos photos, donc il faut qu'on imprime nos têtes, ça aussi, pour pouvoir les coller sur les petits personnages. Et il faut qu'on trouve un moyen de marquer sur les coupes parce qu'en fait, la gravure, c'était une semaine de délai. Et comme on doit les amener dans 72 heures au temple de Thibaut InShape, même dans moins de 72 heures, il va falloir qu'on trouve une alternative et une solution. Donc on est parti dans la suite et on va voir ce qu'on peut faire. De retour à l'appartement, comme vous le voyez, les coupes sont juste derrière. Vous avez également la miniature donc, de la vidéo qu'on avait tournée avec Sadio Giovanna et Thibaut InShape, là où on a fait justement les pronos et où j'ai perdu avec Thibaut. J'ai pris la miniature, j'ai enlevé le fond et le but en fait, là je les ai imprimés donc sur le trajet du retour, ça va être de découper ces photos pour garder que les visages et de les ajouter tout simplement sur les joueurs. Donc comme ça on pourra faire un joueur rouge, un joueur bleu, donc je me mettrai sur le joueur rouge, je mettrai Thibaut sur le joueur bleu. Et le but ça va être de les ajouter comme ça dans les coupes, que ce soit la coupe première position ou la coupe deuxième position. Et comme ça, bah, ça fera un clin d'œil, une private joke par rapport au premier tournage. Et on va rajouter comme ça des balles dans la coupe, nos deux personnages. Et je pense que là, sur une idée de cadeau inventif, créatif, original, on devrait réussir à surprendre Thibaut InShape. D'ailleurs, au passage, normalement, les joueurs arrivent demain, les balles arrivent mercredi, on part jeudi. Donc ça va être juste niveau timing et normalement, on devrait tout recevoir dans les temps. On devrait pouvoir faire le cadeau qu'on veut. Et j'espère que ça devrait plaire à Thibaut InShape et qu'on aura réussi à être l'un des colis les plus originaux qu'il aura reçu pour son ouverture de colis. On se retrouve, on est le jeudi 27 avril, il est 8h56 et comme vous le voyez derrière, on vient juste de terminer les coupes, sachant qu'on part dans 5-10 minutes. Donc comme vous le voyez, on a fait une coupe première place. Donc voilà, avec Thibaut InShape et moi, vous avez même les petites balles qu'on a mises ici, le souci du détail. Et ensuite, la coupe, deuxième position, donc toujours avec Thibaut et moi, les balles au milieu. Donc voilà, on a fini les deux coupes personnalisées. On a fait également la boîte pour le colis. Donc voilà, ouvrir en tirant cette face. Et ici, pour Thibaut InShape, attention, colis fragile. Pour vous montrer comment on ouvre le colis, c'est marqué juste ici, ouvrir en tirant cette face. Et voilà, vous avez le mot qui apparaît pour Thibaut InShape, avec les deux coupes qui seront cachées juste derrière. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on rentre les coupes dedans.
et on part à l'aventure tout simplement. Donc on vient d'arriver à l'adresse que Thibaut avait annoncée pour donner les colis, et on va remettre le colis qui est juste derrière en main propre. Est-ce que vous avez un petit prono sur le fait, est-ce qu'on va tomber sur lui, sur Juju, sur une personne qui travaille de son équipe, ou est-ce qu'on va tout simplement poser le colis et il n'y aura personne? Moi je pense qu'on va sûrement tomber sur une personne. Thibaut, ouais. Maintenant je suis pas très sûr, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va tomber sur Juju. Je pense pas qu'on va tomber sur Thibaut, vraiment pas. Juju, je sais pas non plus, je pense juste une personne de l'équipe qui travaille avec. Ouais. Perso, niveau prono, j'ai envie de croire au fait qu'on va tomber sur Thibaut directement. Je sais que la proba est très faible, mais voilà, on sait jamais, on arrive en même temps. Concours de circonstances et ça passe. En attendant, on va y aller et on vous tient au courant. A few moments later. On vient de poser le colis à l'instant. À votre avis, qui a eu raison en termes de prono? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires avant qu'on vous le dise. C'est l'heure de vous faire le débrief par rapport à qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand j'ai amené le colis pour Thibaut InShape. Donc j'avais mis trois réponses, soit j'ai croisé Thibaut InShape, soit j'ai croisé Juju FitCat, ou soit j'ai croisé une personne qui travaille avec eux mais qui n'est ni Juju ni Thibaut. Donc il faut savoir qu'il y a deux bonnes réponses à ce questionnaire en fait. Pour vous expliquer comment ça s'est passé simplement, je suis arrivé à l'adresse, c'est des locaux qui appartenaient du coup à Thibaut InShape. J'ai sonné, je suis tombé sur une personne à l'accueil donc que je ne connaissais pas, donc ça c'était la réponse C. Une personne de l'équipe qui travaille avec, ouais. Et qui du coup a récupéré le colis. Je lui ai dit ouais, est-ce que Thibaut est là pour lui donner en main propre et tout. Elle m'a dit non, il est pas là, mais je te prends le colis, y a pas de souci. Je l'ajoute avec les autres colis. Je fais ok, ça marche. Donc bon, pas déçu, mais on va dire c'est le jeu, c'est comme ça. S'il y avait pas de souci, y a pas de problème. Je me suis mis un petit peu plus loin. On a tourné l'outro de la vidéo. Et juste après avoir tourné l'outro de la vidéo, il y a Juju FitCat qui est passé devant la voiture, littéralement à 2 mètres. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va tomber sur Juju. Et je me suis dit, est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va pas la voir? Et je me suis dit, comme elle a rien à voir avec cette histoire, j'avais pas envie de la déranger. Donc voilà, j'ai pas interagi avec elle. On n'a pas voulu aussi vloguer, genre quand on donnait le colis, parce que on voulait pas déranger non plus, être là en mode, voilà, on débarque avec des caméras, etc. et tout. Donc on fait le débrief a posteriori dans la voiture, chill, tranquille. Donc on espère que cette aventure vous aura plu. Ça a été 3 jours intenses. Vous en avez pensé quoi? Bon, c'était grave cool, grave intense. On attend juste la vidéo, ouais. En espérant que ça se passe bien, qu'il soit content du résultat quoi. Bah ouais, c'est sympa à faire, c'est une expérience à découvrir. Franchement c'est cool, c'était grave cool à faire. C'était une aventure super cool comme vous l'avez dit. C'était stressant de devoir le faire quand même en 72 heures le colis. Et on a vu ce week-end pour... et là on est jeudi donc on a posé le colis. Donc on a hâte de voir le résultat en vidéo, vous verrez ça très bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En attendant, vous voyez, si vous avez des objectifs, des projets ou des rêves, n'hésitez pas à tenter votre chance. Nous on a tenté notre chance, ça se trouve ça donnera rien, ça se trouve il verra même pas le colis. Normalement il devrait le voir vu qu'on l'a donné, mais peut-être il va pas être dans le montage de la vidéo. Mais en attendant, on a essayé, on a tenté notre chance et on verra bien ce que ça donne. Donc n'oubliez pas, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elles. Pour ça, rien de plus simple, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle la Newsfire et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend et bienvenue parmi nous.